Bonjour à tous, bienvenue chez MicroSmart Academy, centre de formation pour réparateurs mobiles et également bien sûr les tablettes. On verra ça beaucoup plus en détail. Je me fais un plaisir bien sûr aujourd'hui de vous présenter le contenu de formation qui sera disponible aujourd'hui en ligne. Sachez que vous êtes nombreux déjà à être passés à vous former en présence physique ici à Arles au centre de formation, mais vous avez aussi été nombreux à me demander quand est-ce que j'allais mettre cette formation en ligne. Donc aujourd'hui c'est possible, nous l'avons numérisé. Maintenant parlons beaucoup plus de ce qu'on va proposer dans le contenu de formation. Donc dans le contenu de formation, on a basé sur trois grandes thématiques aujourd'hui qui sont très importantes à comprendre. Il y a la partie hardware. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire la partie hardware? C'est la partie matérielle. Donc toutes les problématiques récurrentes qui reviennent le plus dans le SAV, qui sont liées aux problèmes matériels, comme par exemple les changements d'écran, les changements de batterie, les changements de connecteurs. D'accord ? On a basé vraiment notre formation sur ça. Donc à savoir également les trois grandes marques, c'est-à-dire Huawei, Samsung et iPhone, qui sont aujourd'hui en train de se battre aujourd'hui sur le marché pour les smartphones. Donc il y a aussi Xiaomi qui commence un petit peu à arriver. Il y a d'autres marques qui existent comme Wiko, hein, mais qui ne font pas forcément fureur actuellement. Donc c'est normal, hein, on est dans un corps de métier qui ne cesse d'évoluer. Donc on verra aussi les avantages et les inconvénients de ce métier. Donc les équipements. Donc prise en compte, connaître un petit peu les équipements, à quoi ils servent, leurs fonctionnalités. On verra également les mesures de sécurité. Il y a des produits qui sont très dangereux, qui sont nocifs pour la santé. Je pense notamment à la micro-soudure avec les flux de soudure et le plomb. Hein. Dans la pâte à souder, il y a du plomb. Ça dépend, il y a des pâtes à souder, il n'y a pas de plomb, mais on verra qu'il y en a où il y a du plomb et c'est très dangereux pour la santé. Donc on verra aussi toutes ces mesures de sécurité et la fonctionnalité de ces équipements. Pour cette grande, on va dire, thématique qui est la partie hardware. Bien sûr, dans cette formation, vous allez apprendre à diagnostiquer les smartphones, les tablettes, apprendre à démonter, à remonter avec la bonne méthodologie. Vous allez apprendre à changer des pièces et à réparer ces produits qui sont défectueux. Il y a la partie software, c'est la deuxième grande thématique. C'est la partie logiciel, donc toutes les problématiques qui sont liées au software, les problématiques liées au logiciel. Je pense par exemple aux problèmes de schéma ou de mot de passe oublié. Je pense notamment au problème FRP, qu'on appelle aujourd'hui Factory Reset Protection. C'est tous les problèmes qui sont liés au compte Google, les téléphones qui sont bloqués par les comptes Google, d'accord. On va avoir les problèmes qui sont liés au compte iCloud, les problèmes de blacklist, quand les opérateurs vous blacklistent le téléphone, on verra les solutions et les alternatives, hein, pour répondre à toutes ces problématiques et qui constituent bien sûr aujourd'hui toutes les séries de demandes par la clientèle aujourd'hui dans les SAV. Souvent ça va être ça, est-ce que vous changez les mots, est-ce que vous pouvez me supprimer le mot de passe, je l'ai oublié, j'ai un problème avec un compte iCloud, etc., etc. Donc ça on ne peut pas le négliger, on est obligé d'y faire face. C'est ça aussi quand même une des grandes chances qu'on a chez MicroSmart Academy, c'est qu'on relève le défi pour essayer de vraiment de faire de la recherche et trouver les solutions et les transmettre également à nos étudiants pour qu'ils puissent évoluer en même temps de cette évolution qui est aujourd'hui intéressante parce qu'elle donne du travail, mais elle est problématique parce que aussi les smartphones vont changer d'architecture et ça va nous forcer à nous adapter. Il y a la partie micro-soudure. La partie micro-soudure, on va l'aborder. On va voir également les équipements qui existent comme les microscopes, tous les outils qui sont liés à la micro-soudure. Donc il y aura un niveau 1 pour vous familiariser, bien sûr avec douceur. On ne va pas vous donner tout d'un coup comme ça pour ne pas vous brusquer, parce que c'est quand même, il y a plusieurs niveaux. Donc ce niveau-là, alors nous on a fait ça sur deux niveaux. On a vu un premier niveau, vraiment on va vous familiariser avec les températures, avec la gestuelle, avec le matériel. Et le niveau 2, bien sûr, il y aura un petit peu plus d'expérience demandée pour la lecture de schéma, pour essayer de comprendre un petit peu les logiciels qu'on utilise, pour essayer de mieux cibler des composants, voir un petit peu leurs références, voir leurs valeurs, etc. Dans cette troisième grande thématique de micro-soudure, vous pourrez également répondre aux problématiques liées à la micro-soudure. Alors, est-ce que cette formation est finançable? Oui, elle est finançable. Si vous êtes employeur, vous avez la possibilité et on a la possibilité de vous accompagner
en fonction de votre OPCA, on dit OPCA, mais on dit OPCA, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez en termes de fonds de formation pour pouvoir les utiliser et financer votre formation. Parce que nous sommes agréés, nous sommes data dockés. Si vous êtes salarié, vous avez le compte CPF. Ou bien vous avez cette possibilité de pouvoir en discuter avec votre employeur dans le cadre d'une reconversion. Vous pouvez utiliser vos fonds de formation. Vous allez avoir également le statut de demandeur d'emploi. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez également demander via le CPF ou l'AIF, qui est l'aide individuelle à la formation, de pouvoir demander à faire financer votre formation. Vous avez le quatrième cas de figure, vous pouvez aussi financer votre formation avec vos fonds personnels. Là aussi, c'est une quatrième solution si vous n'avez pas de fonds de formation ou que vous n'avez pas la possibilité de vous faire financer votre formation parce que vous avez utilisé par exemple vos heures CPF. Il y aura aussi un petit bonus. Donc ce petit bonus, c'est une grande partie, c'est sur la partie commerciale. Donc on va aussi vous greffer dans le réseau, vous présenter nos fournisseurs. On va aussi vous donner la possibilité de vous équiper en matériel avec la station d'air chaud, les alimentations externes, les microscopes et tous les outils aujourd'hui qui sont indispensables pour ouvrir votre atelier. On a la possibilité aujourd'hui de vous équiper, de vous accompagner, de vous donner des conseils et de vraiment vous accompagner dans la finalité de votre action jusqu'à l'aboutissement de votre projet. Si vous avez besoin d'informations, je vous ai mis un lien juste en bas. Vous pouvez nous contacter. On vous dira comment monter votre dossier avec MicroSmart Academy. D'accord ? Et vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de venir vous former en présence physique ici à Arles. On vous mettra vraiment dans les meilleures conditions. Nous travaillons aujourd'hui avec des partenaires comme Airbnb, les hôtels, pour pouvoir vous héberger. Parce que si vous venez de loin, effectivement, vous n'allez pas vous amuser à faire les allers-retours. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. On reçoit des Suisses, on reçoit des Belges, on reçoit des gens du Luxembourg. Ils viennent un peu partout. Et ça, vraiment, ça nous fait plaisir parce que c'est aujourd'hui une référence MicroSmart Academy. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé.